Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Nous avons découvert ensemble les plans de Gothel, les secrets d'Eris, Laverna, la jumelle maléfique de l'enchanteresse ou encore Rowena, la cousine maléfique des 12 princesses. Il est temps pour nous de parler de l'un des méchants les plus iconiques du Barbie Cinematic Universe. Je parle bien sûr de Preminger. Oh, tu sais que t'es séduisant. Parce que ce personnage a beau être fabuleux, son plan est quelque peu chaotique. Quartons! Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir mon travail. Et on est parti. Dans Barbie Cœur de Princesse, l'antagoniste est Preminger, le conseiller de la Reine Geneviève. On sait très peu de choses sur le passé de ce personnage, mais en VO, on apprend qu'il était le fils d'un paysan qui a gravi les échelons jusqu'à se tenir aux côtés du roi et de la reine. Il a pour compagnon un caniche, appelé Midas, qui est tout aussi vaniteux que son maître, et surtout, qui ne vit que pour sa superbe canine en or. Il a perdu une dent, le pauvre. Oh, ma dent? Non! Non! Oh non, pas ma dent! Oh non! Au début du film, on apprend que Preminger est parti pour un long voyage, laissant la reine Geneviève seule, essayant de trouver une solution suite à l'épuisement de la mine d'or du royaume. On apprendra par la suite qu'il était parti pour se couvrir et laisser ses sous-fifres, Nick et Nack, deux jumeaux pas très malins, vider jusqu'à la dernière pépite d'or, la mine royale. Son but? Que la reine Geneviève, impressionnée par sa richesse, lui propose de prendre pour épouse sa fille Anne-Lise, la princesse et l'héritière du royaume. Il veut devenir roi, il aspire au pouvoir et à l'argent, planifiant même de nouveaux impôts dès l'obtention de la couronne. Non, comme je vais m'enrichir, je vais lancer de nouveaux impôts. Lorsqu'il revient de voyage, il apprend avec effroi que la reine a promis la main d'Anne-Lise au roi Dominique. Preminger est un peu en colère, mais pas découragé. Alors, il concocte un nouveau plan. Nick et Nack vont kidnapper la princesse. D'ailleurs, je fais une pause, mais on est d'accord que lors du kidnapping, tous les gardes du palais étaient en pause? Comment personne n'a pu entendre que la princesse se faisait kidnapper? Bon, en même temps, les gardes ont l'air quelque peu incompétents quand on voit cette scène. Qui va là? Princesse Anne-Lise! Si vous êtes la princesse, moi je suis le roi. Revenons à nos jumeaux, qui doivent donc capturer Anne-Lise, puis laisser une fausse lettre sur le bureau de la princesse, indiquant qu'elle s'est enfuie pour échapper au mariage arrangé. Oh! Elle m'annonce qu'elle s'est enfuie! Oh! Elle n'a pas envie de se marier avec Dominique! Oh! Preminger pense que la reine n'aura pas d'autre choix que d'annuler le mariage avec le roi Dominique, si la princesse ne revient pas. Mais c'était sans compter sur Julian, le précepteur et meilleur ami d'Anne-Lise, qui soupçonne quelque chose de louche. Du lilas? Où avez-vous trouvé ceci? Sur le bureau de sa chambre. Je peux peut-être vous aider à trouver sa trace. Retourne plutôt étudier tes livres. Petit malin, amuse-toi bien. Du lilas. Elle n'a pas l'habitude de parfumer ses lettres avec du lilas. Elle préfère de loin la rose. Julian embauche alors Erika pour prendre la place d'Anne-Lise, ce qui affole Preminger. Comment cela peut être la princesse puisqu'elle ne mentionne pas d'enlèvement? Sans compter que Serafina, la compagne d'Anne-Lise, a disparu, cédant sa place à un chat qui aboie, Wolfie. Pas de chance pour Preminger, Anne-Lise n'a pas chômé pendant son absence et s'est réellement échappée. Il réussit à emprisonner Julian dans la mine, car celui-ci n'a pas été très discret lors de son enquête. Malheureusement pour la princesse, elle est confondue avec Erika par l'autre antagoniste du film, Madame Carpe. Preminger doit aller faire semblant de rien lors de son retour au château. Puis, la chance semble lui sourire lorsqu'il retrouve Serafina avec la bague d'Anne-Lise à son cou. Découvrant le lieu où la princesse se cache, Preminger part la chercher,
Il le sait, il doit se débarrasser d'elle. Annelise comprend alors qu'il ne la ramènera pas au palais. Vous étiez derrière tout ça ! Preminger la piège dans la mine avec Julian et la fait s'écrouler avec l'aide de Nick et Nack. De retour au palais, il accuse Erika d'avoir assassiné la princesse avec la complicité de Julian. Ils ont tué la princesse dans les mines, privant la reine de son enfant et le royaume de son héritière. Preminger appuie ses propos en rendant la bague d'Anne-Lise à la reine Geneviève qui s'effondre. Erika est arrêtée et notre antagoniste profite de la détresse de la reine pour lui proposer un marché. Il est riche, plus riche que Dominique. Si la reine l'épouse, elle sauvera son royaume. La reine, qui ne peut plus rien pour sa fille, mais qui est loyale envers son peuple, accepte à contre-cœur, comprenant bien que Preminger n'est intéressé que par la couronne. Alors qu'elle est sur le point de l'épouser, Annelise apparaît et révèle les plans de Preminger. Notre conseiller royal se retrouve alors arrêté et humilié. Mais la vraie question est, si tout s'était correctement déroulé, le plan de Preminger aurait-il vraiment marché ? Déjà, première question, pourquoi ne pas avoir essayé d'épouser la reine au lieu de la princesse ? Quand on y réfléchit, ça aurait été un peu plus malin. Elle est déjà reine, donc il aurait été roi tout de suite, ce qui n'est pas le cas avec Annelise, qui n'avait pas encore hérité du royaume. Même si on peut imaginer qu'avoir une héritière dans les pattes n'arrangerait pas ses plans. Mais surtout, même si Annelise ne s'était jamais échappée, même si Erika n'avait pas pris sa place et que la reine Geneviève avait annulé le mariage avec le roi Dominique, que se serait-il passé ? Une fois qu'il aurait sauvé la princesse, comment aurait-on expliqué la fausse lettre de fugue d'Annelise ? La reine et la princesse auraient pu se montrer méfiantes envers lui. Surtout qu'Annelise a vu ses kidnappeurs, qui sont liés à Preminger. Et vu leur QI, s'ils avaient été retrouvés, je ne suis pas certaine qu'ils auraient été capables de taire le nom de leur chef. Honnêtement, le plan me semble plutôt chaotique, pas vous ? Encore un plan de méchant qui, même s'il n'avait pas été contrecarré, n'aurait probablement pas marché. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo, je viens de capter que c'est quand même drôle que Nick et Nack soient jumeaux, tandis qu'Annelise et Erika se ressemblent elles aussi comme des jumelles, en version blonde et brune. Alors, que pensez-vous du plan de Preminger ? J'adore regarder les plans de méchants de films et trouver leurs failles, ça me fait toujours rire. Et je suis contente d'avoir parlé de ce personnage iconique avec vous. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt !